Tu as récupéré un nouveau fragment. Il n'y a aucune fin à aucun des setups. Il t'explique un truc, mais ça ne sert à rien de toute façon. Tu gagnes, il ne se passe rien. Sur toi. Oui, une épreuve à 300 mètres. Là, il y a une cinématique qu'on n'a pas vue, ou alors ça a bugué, c'est pas possible. Tu veux que j'aille où le jeu ? L'entraînement des chevaliers. Ah, mais attendez, j'ai un. Il y a un portail là, un porte au loin ici. Ah, le moulin est très très beau. Hein, ce truc avec les cloches là, il est magnifique. Tu débloques peut-être la. Comme dans Enclave, tu débloques peut-être la campagne des méchants quand tu finis le jeu. Et après, tu deviens Robespierre. Appuie sur la direction et l'action en même temps. A pour attaquer, B pour bloquer. Et oriente ton action. Ah, faut suivre les instructions du maître d'armes. Très bien. Nous avons pu admirer vos talents de cavalière, mais il nous faut maintenant nous assurer de vos talents de combattante. La meilleure lame du château sera votre adversaire dans l'épreuve qui vient. Soyez la meilleure et vous en serez comme à l'accoutumée récompensée. Ah oui, c'est gauche, gauche attaqué, bas bloqué. On se fait bien chier. Car je n'en voudrais pas sur iPhone pour un bal. Hey! Tu sais, hein, que les mecs auraient pu faire un truc cool, hein. Mais du coup, il n'y a jamais de gameplay. Et vous voulez qu'on soit rassuré pour Goldorak. Vous allez pas faire un gros cash grab pour les quarantenaires, hein, c'est sûr, hein. Promis. Faut vous faire confiance là-dessus, hein. Molo, je suis épileptique. La musique qui s'énerve. Non, Chivalry, c'est pas mieux. Un peu Kingdom Come Deliverance, oui. Un fragment de plus qui nous sera utile pour la suite. Notre mission n'est pas encore chose faite, mais tu montres une bravoure qui ferait pâlir certains chevaliers. Mais attendez, c'est pas pour qu'après on joue un vrai jeu, hein. C'est ça le jeu. Tu sens que le cahier des charges était ok, faut qu'on puisse visiter entièrement le Puy du Fou. Par contre, vous adaptez pas le gameplay parce que ça peut donner envie aux enfants de participer au spectacle du Puy du Fou. Donc vous créez des épreuves, mais il faut aussi que n'importe quel teuteux puisse faire le truc, y compris une grand-mère. Donc, s'il vous plaît, vous voyez, moi j'ai bien aimé les derniers jeux auxquels j'ai joué, il y avait toute une phase où il me prenait par la main et m'expliquait. Vous voulez dire le tutoriel au début du jeu, avec les boutons expliqués. Oui, voilà. Génial, le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Je veux ça pendant une heure. Et après, après c'est bon, les gens peuvent pas se faire rembourser sur Steam. Ah. Très heureux de travailler pour vous. 25 euros sur Steam. Je l'ai vu à 35 balles à la Fnac. Sur Twitch, enfin sur Switch. 35. Alors que tu peux y jouer au radar, quoi. Oui, c'est le prix de Stray. Ah, vous avez fait votre choix. Le Puy du Fou, évidemment. Pourquoi jouer à Stray alors que regardez. Là, on a encore une fois le merveilleux exemple. De 3, 4 fois. 4 fois le même couple de PNJ. Aligné, quoi. Regarde, hop, le rouquin. La meuf avec la couette. Le rouquin, la meuf avec la couette. Hop, excusez-moi, je passe.
Le rouquin, la meuf avec la couette, le rouquin, la meuf avec la couette. Ça, c'est encore plus que, ce, que encore plus nombreux que ça. Hop, ils sont encore là. Au secours! On va pas faire des palais de soie, Pantin. Enfin, merde alors, ça prendrait 2 heures. Combat. Toutes les vagues d'ennemis afin d'accéder au boss du stadium. Attaquer, protéger, super attaque. Pardon. Attaquer, protéger, super attaque. On retourne au Colisée, c'est sérieux. J'ai fait venir des quatre coins de l'Empire les gladiateurs les plus illustres. Celui d'entre eux qui survivra à ce combat sans merci recevra la palme et la couronne de laurier, signe d'une gloire éternelle. Que les combats commencent. C'est quand même ouf que Astérix a une plus grosse valeur documentaire que tout le Puy du Fou. Tenez-vous droit, pliez légèrement les jambes. Le mec est encore blessé de la, l'épreuve du début du jeu. Quoi, un gameplay? Oh! Ils l'ont fait! Presque. Je vous rappelle, ces gens ont fait un beat'em up. Le beat'em up. Ah, la musique tue, hein. On fait le beat'em up à Astérix. Ah ouais, gros impact, gros feedback, hein. Franchement, c'est magnifique. La musique, mon gars. Je sors l'ulti, voilà, boum. Non mais... Il y a des étudiants en jeu vidéo qui auraient une mauvaise note de rendre ça. Ah ça y est, c'est le boss. Je bait son attaque. Bloquer sert à rien. La hitbox est cassée, tout va bien. Mais le jeu est moins cher que le jeu Fort Boyard. Après, le jeu Fort Boyard, je l'avais en collector. Hein. Et il n'y avait que 20 minutes de gameplay. Ah oui d'accord, on est invincible. J'ai l'impression de voir Elden Ring. Ouais mais c'est ça. En fait c'est un spin-off d'Elden Ring. Je vous interdis de dire qu'on s'emmerde. Putain, heureusement que j'ai changé de PC pour pouvoir jouer à ça quoi. Tu as récupéré un nouveau. La même animation, s'il vous plaît. Dans notre quête. Merci. Cette aventure n'est pas terminée, mais je savais bien que je pouvais compter sur toi. Il y a une épreuve à 53 mètres. C'est bon, vous faites de la nage synchronisée, bordel. Toboggan où j'ai jamais le droit d'aller. Le jeu fait tout pour ne pas te donner de gameplay en fait. Attends, mais faut faire tout le tour, mais c'est horrible! C'est aussi mal conçu que le vrai parc!
Franchement, ou Alligator Simulator, ou à la fin, tu dois supporter un concert de Cindy Sanders, je dis OK. Hein. Atteint l'objectif de l'épreuve avec le cumul de tes lancers. Attention à ne pas dépasser la limite de la piste. Appuie sur A pour dégnommer le jardin. Puissance S sur A pour augmenter ta puissance. RB pour lancer ton javelot. Cylindrix le Germain. Voici le plus fort des lanceurs de javelot. Ne craignez rien. Ouah, j'ai fait un bruit. Il suffit de suivre les instructions une par une et ce javelot atteindra la cible que vous lui destinez. Allez, jette-moi, ouais. C'est, je crois que la musique m'explique qu'on a sauvé l'humanité. Hein. Ah merde, c'est trop ça. Il faut rester appuyé ou quoi? 146 mètres! J'ai ma mallette qui colle, hein, j'explique. De faire 500 mètres cumulés, ah oui, c'est beaucoup quand même. Ah non, fallait attendre que ça bouge, je ne comprends. La musique. Ça suffira quand même, hein. Je peux pas button mâcher avec cette manette, elle est toute collée. Tant que je refasse tout quoi. Là. Là c'est bien en avant là. D'accord, l'animation n'a rien à voir. C'est pas mieux. Même avec un bon angle. Putain, il me reste un essai quoi. Le record mondial est de 98 mètres. Ben, on est bien. Ah, et ma manette, elle me fait pitié, quoi. Non, elle est pas si vieille, celle-ci. Hein. Et hier, c'était le bouton B qui restait bloqué. Là, c'est le A, quoi. Courant d'air là. Tu as encore obtenu un fragment dont nous aurons besoin. Oh, c'est pas la même réplique, c'est la même anime par contre. Notre quête n'est pas encore arrivée à son terme, mais je sais assurément que je peux avoir confiance en toi. C'est. Je pense que c'est quand même moins bien que le jeu Disney. Hein. Et pourtant, qui fait pas du tout. Pas du tout honneur au parc. Hein. On est d'accord qu'il y a encore le bruit. C'est pas chez vous, hein. C'est pas un courant d'air, hein. Ça va jamais s'arrêter. Mais plus fort, s'il vous plaît. Elle pour viser, ah, pour viser, touche autant de cibles que demandé afin de remporter l'épreuve. Bien valider chaque cible avant la fin du timer. On est de retour sur le même truc. Nos éclaireurs nous signalent que les Anglais et leurs alliés bourguignons ne sont qu'à quelques. Regardez le public. C'est du papier, c'est des bonhommes ondulés là.
Chevalier, vous aurez bientôt parachevé votre entraînement et vous serez bientôt des chevaliers accomplis. Mais elle est enceinte, c'est pas possible de porter ça. Remporter cette épreuve à la pointe de vos lances. D'accord, donc ce n'est pas un jeu. Faut juste compenser un peu le zigouigoui du truc là. Non, non! Oh, c'est bon, ça a marché. Ah, les musiques, quel gros budget quoi. Niqué par le bruitage. Le terrain est aussi long que ça dans la vraie vie. Hein. Si vous allez au Puy du Fou, il fait 10 km. Il y a encore ce courant d'air. En fait, moi, je veux savoir à quel moment il dit « Ok, tu as enfin testé toutes les épreuves. » Un fragment de plus qui nous sera utile pour la suite. Notre mission n'est pas encore chose faite, mais tu montres une bravoure qui ferait pâlir certains chevaliers. Faut que j'aille où, là ? Une épreuve ? Épreuve qui m'attend là. Vaut mieux que je prenne... Oh là là, mais c'est trop nul le système de téléport, mon dieu! On se déplace tellement à deux à l'heure. Pistin, le vent en ré mineur. Infernal, mon dieu. Attends, je voulais... Mais tu te rends compte, c'est genre... La cible est là, et du coup, là, je pourrais juste gagner un petit peu le temps de trajet de là. De toute façon, il faut que j'y aille. Faut que j'aille par là. La carte met plus d'angoisse qu'un jeu Ubisoft. Vous voulez qu'on change de vêtements, quand même ? Voilà. Là, c'est Hermione Granger dans Harry Potter 4. Dans 3, je veux dire. Vent pour MP4. J'espère que je vais pas me faire claimer parce que ça se trouve, ils l'ont volé. Est-ce que j'ai envie de faire le renard et la cigogne? Non, pas du tout. On a acté que Jean de La Fontaine n'aimait pas le gameplay non plus. Le lourd passé de France, quoi. Là, on ressent tout, toute l'émotion. On est Barbie sur PS2, mais la misère à ce jeu. Hein. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'il y a des shovelware PS2 qui coûtaient 2€ que tu voulais pas dans un bac à soldes il y a 20 ans. Et là, sont vendus 25€. Et tout le monde a relayé la news parce que jeu français, incroyable, Microïds, la fierté. Et la French Touch, ça a jamais été des jeux de merde comme ça. Hein. Vous êtes les héritiers d'Another World. Plante une flèche dans chaque cible et remporte l'épreuve. B, LB pour viser. Il change les boutons juste pour dire que c'est un autre jeu. Hein. LB pour viser, RB pour tirer une flèche. Ok. Tu peux te déplacer. Du gameplay ? Un FPS ? Tu nous as démontré tes aptitudes avec une hache en main. À présent, tu vas nous montrer si tu es capable de frapper ta cible à grande distance. Ouah, faut changer de... Ouah ! Allez, du gameplay ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ah, on peut pas jouer avec l'autre stick, ok d'accord, donc là c'est... Merde! Et pourquoi on n'a pas fait plusieurs épreuves avec les Vikings et puis après on changeait? Parce que là, les allers-retours servent à rien. Mais oui, j'ai déjà joué à Defender of the Crown. En 80. Un fragment de plus qui nous sera utile pour la suite. Notre mission n'est pas encore finie. Oh mon cher Mathieu Sommet, merci de tout ton amour. On joue au meilleur jeu de la Terre. Bienvenue, c'est le puits du fou, The Video Game. Je n'ai même pas une blague. Regardez-moi ce jeu incroyable, cette ambiance sonore. Et merci beaucoup ma poule, hein, ça me fait très très plaisir. Je ne promettais pas qu'on allait jouer toute la nuit, mais je sens qu'on arrive à près de la fin, parce que ça fait une heure qu'on joue, donc j'ai l'impression qu'on a déjà fait le tour. Toi-même, hein, qui a joué le Hobbit dans la vidéo des joueurs du grenier, tu... Il y a une certaine sensibilité, Rick Fantasy, je te sens chaud. Chaud du puits du fou. Fais en sorte que la galère ne soit pas détruite en éteignant le feu. Appuie sur A pour éteindre le feu et remplir ton seau. Appuie sans cesse sur B ou successivement sur L et B. Bon, au moins, ces boutons ne collent pas. Pour remplir une réserve d'eau. Ah oui, on est carrément dans le Colisée. Regarde, chaque fois que vous voyez le public, c'est genre ainsi du papier qui fait... Bien, tu as voulu rejoindre ta Soline à bord de ma galère. Répandez le feu et qu'on en finisse avec ces rebelles. Et, comme Néron, s'il faut brûler avec eux, nous brûlerons. Ça n'a aucun sens ce que vous faites. Non, mais on dirait qu'il y a une vague de chaleur sur le public, quoi. Et où qu'il y a du feu? Oh, c'est à chier. Oh putain, non mais vous êtes sérieux les mecs. Vous êtes sérieux. Un gameplay indigne d'un Game & Watch quoi. Ah là c'est B quand on fait du feu, on prend de l'eau en bas. Et s'il n'y a pas la prompte, tu joues pas quoi. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas de shader, et c'est... Franchement, j'ai une pote qui bosse chez Ubisoft. Je sais qu'elle vit mal les leaks, les gens qui critiquent Ubisoft un peu facilement, et c'est vrai. Même si bon, ils sont responsables de leur réputation, mais je pense que je vais lui montrer cette VOD et elle va se sentir mieux. Après, vous pouvez dire oui, mais attends, Ben, si t'as des potes. Si t'as des potes chez Ubisoft, comment on sait que tu vas être de bonne foi quand tu vas tester un jeu Ubisoft à l'avenir? Ne vous inquiétez pas, on teste jamais les jeux Ubisoft. Je vous promets de ne jouer au prochain Assassin's Creed que si on me paye. Ça vous va? Comme ça, de toute façon, je serai de mauvaise foi comme sur toutes les OPSP. Le pire, c'est que j'ai vraiment temporisé des OPSP World of Tanks quand mon ex bossait pour les gars de World of Tanks, quoi. C'est vraiment genre, ah non, pas, moi je suis pas comme ça, les mecs. Alors que ça n'avait rien à voir, parce que c'était Wargaming Mobile, quoi. Tu vois, ça voulait rien dire. Je vais pas faire non plus que Lenbos, mais toi non plus tu vas pas y jouer. Tu as encore obtenu un fragment dont nous aurons besoin.
Notre quête n'est pas encore arrivée à son terme. Il dit tout le temps la même chose. J'ai confiance en toi. mais 143 mètres, c'est 2 km ressentis en fait. Attends, mais pourquoi le truc se barre là-bas? En vrai, franchement, qu'est-ce que j'aurais aimé juste Puits du Fou Creator, tu vois, genre tu crées ton petit puits, tu t'implantes dans une ville où les gens sont prêts à faire des heures sup pour la cinécénie sans être payés, tu augmentes le prix des frites, tu expliques que Robespierre est un connard, et puis tu gagnes de l'argent, et puis tu corromps des gens au gouvernement, quoi. Enfin, résiste aux soldats francs. Et au chef du village, afin de prouver ta valeur. Oh, le gameplay ? Bon, alors 100%. Quand ils ont commencé à parler d'un jeu Puits du Fou, il y avait tout un storytelling. On a une chance de nous prouver ta bravoure et de nous convaincre de ta loyauté envers notre village. Vainc tous les soldats qui s'opposeront à toi et tu seras des nôtres. Tue des gens. À la base, ils étaient partis sur un beat'em up. Et là, genre, bah ouais, on peut faire un truc bien, t'inquiète. Après, quand ils ont vu la merde que c'était, ils ont fait, ok. Franchement, ce beat'em up ne passera que si c'est un minigame de 10 secondes. Mais d'accord, mais le reste, c'est quoi? Bah, des, je sais pas, des quick time event et des trucs à la Game & Watch en mode genre tu vas à gauche remplir de l'eau, tu vas à droite la vider. Mais là, votre truc, c'est totalement indigne de tout ce qui a existé en fait. C'est-à-dire, je préfère jouer à The Bouncer. The Band quoi? Et tu sais, ce jeu de Nomura là, le beat'em up totalement chiant sur PS2. Ah ouais, mais c'était mon jeu préféré. Pour ça, là, c'était un hommage. Ah, mais je comprends mieux. Bah, du coup, bah, je t'augmente. C'était un test, en fait. Bienvenue chez Microïd. Toi aussi, tu détestes le gameplay. Personne n'aime le jeu vidéo ici. Tu seras ici, chez toi. Ah oui, d'accord. La furie qui paye au travers, quoi. Pour une game gen Unity, c'est pas mal. Bah ouais, non, bien vu, bien sûr. Hein. Les assets n'ont clairement rien à voir entre elles, mais oui. La hache est top tier hein, par rapport à la lance de tout à l'heure. Hein. Voilà, ça fait pas de dégâts. Hein. La furie est d'office sur le parquet, exactement ça. Oh là, attention! Il a des vagues de flèches. Mais 100%, ça c'est le vrai jeu. Ils avaient un concept. Oh, d'accord, il prend zéro truc. Le bouton bloqué, bien sûr, sert à rien. Il fait très bon moonwalk, hein, franchement. Comme quoi, le moonwalk a pas été inventé à ce siècle. Enfin, on devrait dire le siècle dernier, mais moi dans ma tête, on est encore au 20e siècle. Hein. La musique qui vit sa meilleure vie. J'ai l'impression de regarder un pub pour un jeu mobile Facebook. Mais c'est ça la beauté de Microïds en fait. C'est qu'ils rendent. T'es là genre, oh putain, encore une publicité mensongère. Et non! Pour seulement 30€, Microïds ils créent des jeux comme ça. Non mais c'est qu'on est au niveau du jeu Astérix sur le film sur PS1 quoi. Ça c'est bien, parce que quand tu regardes le joueur du grenier, tu te dis ouais, mais bon, c'est une époque, les mecs c'était vraiment, ils s'en tiraient avec n'importe quoi. Oui.
Bien sûr. Il n'y a plus du tout de jeu de merde qui pense à arnaquer les enfants, quoi. C'est tout à fait révolu. Tu as récupéré un nouveau fragment qui nous sera utile dans notre quête. Cette aventure n'est pas terminée, mais je savais bien que je pouvais compter sur toi. J'ai l'impression d'être au purgatoire. Maintenant, ils ont mis une épreuve à 500 mètres. Donc on va aller chercher le truc parce que l'épreuve est à... Ah, elle est deux là-bas. Ok, d'accord. Et je ne sais pas vers où je regarde, en fait. Enfin, c'est chiant. Parce que c'est cher, 35 euros pour un jeu Switch. Il y a tellement de milliards de jeux bien mieux que ça, quoi. Et oui, il y a eu des meilleurs jeux dans des paquets de céréales il y a 15 ans. Et vraiment, littéralement, de meilleurs jeux. Compte lancer un autre jeu après ? Oui. Hors stream. Pour me laver la tête. Un câlin, mon petit chat. Salut, mon chat. Ah, tu veux jouer ? Quoi ? Oh, le gros dodo chat. Oh là là. Curieux de voir les revues de presse, surtout pour des les revues de presse internationales, voir qui aux États-Unis a testé le jeu a fait genre bah franchement entre ça et Mario Kart 8 après tout Kart 8 y a pas de ligne. On rappelle hein, sur la même console parce que là bon c'est la version PC mais sur PC il y a tout et rien sur la version sur Switch hein, vous pouvez jouer à Skyrim hein. Ou à The Witcher 3. Tire un carreau dans chaque jaune affiché sur la cible en faisant attention à la force et à la direction du vent. RB pour tirer, A pour recharger. Appuie sans cesse sur A pour recharger. Il est temps de terminer ce tournoi avec cette épreuve de précision. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous avez été parmi les meilleurs aux épreuves précédentes, voire que vous les avez remportées. Il n'y a toujours aucun rapport entre les séquences et le jeu et le parc et... Alors, attends, faut bourrer pour recharger, ok. Maintenant, on vise. Le vent va un peu vers le bas, ok, on recharge. Ah, mais le pire, c'est qu'ils ont des trucs, ils ont des idées. Hein. Enfin, ça dévie pas beaucoup, hein, le vent. Mais tu crois qu'il va y avoir, genre, des variations ? Mais non, là... Je vais tirer mes 5 flèches. Et puis voilà. Merci. Ça a duré moins longtemps que le fait de s'y rendre. J'étais en train de bourrer le bouton A pour recharger la barre de loading. Tu as récupéré un nouveau fragment. Franchement, par contre, ce jeu a un avantage. Il est deux fois plus long. Le Fort Boyard. Cette aventure n'est pas terminée, mais je savais bien que ta gueule, je ta gueule. Oh, ferme, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tais-toi. Je suis étonné du nombre. Attendez. Je suis étonné du nombre. J'avais plus le chat. Je suis étonné du nombre quand même de mini-jeux. Hein. Ils sont tous à chier et relativement exactement identiques, mais quand même.
Sachant qu'il y a déjà eu plusieurs fois tiré sur un machin, bourré un bouton, quick time event et mini beat them up nul. Avec un boss, et ça c'est beau. C'est un hommage au fait que ce jeu s'appelle Puits du Fou, le jeu vidéo. Gère ton endurance. A pour sauter aux attaques, B pour sprinter. Ok, ça marche. Avec le bouton B qui colle, ça va être parfait. Un viking vient de me voler un objet précieux. Il a fui à cheval, il faut le rattraper. Mais un coup je suis un viking, un coup je suis pas un viking. Ouais, j'ai parlé encore. Ouais, je peux diriger. Et là c'est un peu The Witcher 3 hein. Ah oui d'accord, les obstacles c'est des petits hein. C'est littéralement les barrières en fait. Ah putain, faut attendre. Tu peux vider ta barre de sprint que quand... Ok. La musique est encore beaucoup trop énervée. Ah mais il fallait rester appuyé, putain quel con. Ah oui d'accord, c'est pour ça qu'on était en retard. C'est beau. Hein. Et j'entends par là, c'est moche. Ah oui, il n'y a pas de collision, mais c'est magnifique. Putain, franchement, les minigames d'Harry Potter 3 vendus 25€ en 2022, c'est... Même de la part de Philippe de Villiers, j'attendais mieux. Après, moi, je suis pas un streamer politique, hein. Ben oui, on a gagné. On n'est pas mort. Tu as récupéré un nouveau fragment qui nous sera utile dans notre quête. Cette aventure n'est pas terminée, mais je savais bien que je pouvais... Ah oui, je savais bien que tu allais dire ça. Allez, une épreuve à 200 mètres. Et depuis, on n'a pas revu... d'artefacts, de machins, de conneries. Hein. Les sesterces et les... Alors les sesterces ils sont sur la map, mais alors les bouquins... Qui va faire le 100%? Dénoncez-vous, hein, ceux qui ont le... Parce qu'il y a des gens, ils se vantent des fois sur Twitter, genre « Ouais, c'est un jeu à la con, mais j'ai pu faire les 1000 G assez rapidement, ça m'a pris qu'une après-midi. » Mais bordel de merde! Faut consulter! Vous en connaissez forcément quelqu'un qui a acheté un jeu en promo, nul à chier, et qui a joué tout l'après-midi, juste pour avoir 1000 G facile, pour pouvoir flex son easy. Mais c'est complètement con. Appuie sur A, R ou B pour valider les notes. Valide les notes au bon moment afin d'augmenter la satisfaction du public. Ah oui d'accord, il n'y a plus de jeu, rien à foutre. C'est un rang. Merci Azab Shady. A, R ou B. Ah oui, donc c'est un quick time event, très bien. Point. Non mais c'est de la merde, c'est la troisième ou quatrième variation d'un quick time event, enfin. Night of Fire. You gotta get away, night of fire. You gotta get away, night of fire. Déjà vu, I've been to this place before. I am on the street, I've been to me, déjà vu.
Opa! Gundam Style! Opa Gundam Style! Hop! Hop, hop, hop! Gundam Style! Gundam Style! Gundam Style! Open Gundam Style! Allez, maintenant, Screw Fire and Flames de Dragon Force. En même temps, je me moque, mais je fais pas des perfects. Hein. Et je vois pas le rapport avec... la musique. Pam, pam, pam. Pam, pam, le système est nul. Je rappelle que Taiko no Tatsujin est gratuit. Enfin, est sur le Game Pass. Ainsi que Double Kick Heroes. Et le succès avait César, bien sûr. Tu as encore obtenu un fragment. Au revoir. Oh non, à 300 mètres, non, mais non. Mais non. Ah, attendez. Au bout, là-bas, il y a un téléporteur. Je vais pas passer 2 heures sur ce jeu. Koumouk. Oui, je le platinais, oui. Ma passion. Le bourg 1900. Ah putain, on n'y était pas allé, mais c'est vrai qu'il est marrant celui-là. C'est un espèce d'endroit où il y a des mauvaises BD à vendre et puis c'est censé ressembler voilà, à la terre de tes arrière-grands-parents. Protège-le. Voilà, on est au bourg 1900 pour être sur le rempart où il y a Jeanne d'Arc. Alors que le truc le plus sympa avec ce décor, c'est que le rempart se barre. Protège le donjon en repoussant l'ennemi. Tu peux assommer certains ennemis en leur lançant des pierres sur la tête. L pour les déplacer, repousser une échelle, B pour lancer une pierre. Un Game & Watch donc. Oui. C'est tout juste s'il n'y a pas 3 colonnades exprès. Voilà, donc ça c'est un jeu qui est sorti sur Atari 2600 il y a 1000 ans. Impossible à viser. Hein. Pirate of Camelot, ah oui, la musique. Franchement, ils ont pas mal aux couilles. Hein. Vous savez que tout le Puits du Fou, les armures, les décors, les hôtels, les chevaux et tout, tu peux tout louer pendant la basse saison. Pour faire des courts-métrages et tout, il y a un putain de trailer de fou pour tout louer quoi. Tu peux faire des productions, il loue à toutes les productions européennes et du monde, je pense. Mais tu peux utiliser tous leurs décors, tout leur, même leur prairie, etc. pour faire des films d'époque.
tout est alloué. Ce jeu n'est pas du tout honteux, voyons. C'est le jeu avec les bombes là sur Atari 2600 quoi, c'est le même. Plus que 15 secondes. Ah, le timing est si dégueulasse quoi. Non, franchement, arrêtez de faire des jeux alimentaires quoi. Le son du vent à jamais dans mes veines. Tu as encore obtenu un fragment dont nous aurons. Oh non, une fable ? Attends, mais c'est quoi le reste du jeu ? On ira peut-être voir sur YouTube une autre fois. Oh non, non, non. Arrêtez là. J'ai pas envie de passer ma vie à chercher des conneries. En plus, là, faut sortir du parc. La dernière épreuve, c'est de pouvoir s'enfuir en fait. Benzaï Live. Non, un peu de sérieux, un peu de sérieux. Did you feel like your chat has been helping you when you tell them exactly what you want? I think they've been good. I haven't felt as bad. Alors, Claire Cachet est toujours sur... ah non, elle est en mode sex coach. Yeah, ah, mais Karaté stream Multiversus. Et ça, ça m'intéresse de voir. Et vous aussi, ça vous intéresse d'ailleurs. Florent Ben, merci pour le substantif. Allez, on raid. Monsieur Karaté, demandez-lui si vous savez pas ce qu'il faut jouer à Multiversus. Des bisous. Mmh. Ce qu'il y a dit au livre.